Oui, cette vidéo est sponsorisée, vous l'aurez compris, par une marque de boisson que nous ne nommerons pas pour des raisons... Ah merde, c'est mort en fait, c'est déjà marqué dessus. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer aujourd'hui à un jeu pas particulier puisqu'il s'agit de Timan sur PlayStation, sorti aux États-Unis et au Japon. Alors, je découle le jeu en même temps que vous. Je sens qu'on va en bouffer du Pepsi. J'espère que vous aimez ça, parce qu'il va y avoir de ça du début jusqu'à la fin. Cette boîte est magnifique. Cette texture 3D, la digne de la PlayStation, est magnifique. Alors, les options. On a donc le son stéréo, configuration des keys. Jump, donc c'est sauter, c'est X. Et sliding, c'est carré. Bah écoutez... comment ne pas être surpris par un jeu aussi développé. Allez, c'est parti. Alors le jeu se titre en japonais, mais si vous connaissez, vous comprenez l'anglais, je pense vous pourrez comprendre ce qui... Commençons le jeu. Ah, Pepsi Man, you got here just at the perfect time. I got a call that a vending machine ahead ran out of Pepsi, and I was just on my way there when I got a flat tire. There are a bunch of people gathered in front of the vending machine. They want Pepsi! And the word is that they're just about to riot! I plan to head over there as soon as I can fix this flat. But it looks like it's gonna take some time. Can't you do something, Pepsi Man? Alors c'est parti pour le changement, donc vous aurez compris, le mec il a crevé, malheureusement il y a des gens qui sont assoiffés et il y a un distributeur qui est complètement plein. Alors attendez, on saute, on glisse, on peut aller à gauche ou à droite. Ok, c'est parti, on va sauter, attention à la voiture, on récupère les trucs de Pepsi, on saute par dessus. Donc c'est un jeu où on ne fait que courir, évidemment je ne peux concrètement pas m'arrêter. On va essayer de récupérer... qu'il faut. Hop, il y en a encore une là. Donc c'est un jeu où on fait que courir. Étonnant, non? On peut juste se baisser ou sauter. Ok, on a réussi à passer. Et là, on est dans une poubelle. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire que si je vais à droite, ça va à gauche. Et si je vais à gauche, ça va à droite. Ok, donc une fois qu'on l'a compris, on sait comment gérer. Et on rentre chez les gens en Pepsi, c'est magique. Alors c'est difficile de se concentrer sur ce genre de jeu où il faut pas faire la moindre erreur. J'ai envie de dire pourquoi pas. Oula. Alors j'imagine qu'il faut récupérer le plus de canettes possible. Ouf, c'est passé pas loin là. On a un camion Pepsi, on passe par en dessous. Et cette musique est ultra relou. Et nous allons donc ravitailler le distributeur de Pepsi. New record. Si ça c'est pas... Si ça c'est pas d'austérité pour une fin de jeu. Ah donc on a réussi le premier stage. Alors évidemment on peut battre les records en temps. Et ou évidemment essayer d'avoir le plus de canettes possible sur le niveau. Je sais pas si on débloque quelque chose d'ailleurs. Allez c'est parti, deuxième round. On peut passer par dessus. Je peux faire double saut par contre, hein. Je suis obligé de sauter. Voilà, on a des gens qui font du... Des gens qui font des travaux là, mais un peu bizarrement. Oh là là là, on a perdu du temps malheureusement. Oh, j'aurais pu, je pense, passer par là. Par la gauche. Mais j'ai complètement échoué. Alors ce qui est bien, c'est que même quand on tape le mur, on casse tout. Allez, un petit checkpoint. Oh, regardez, on est en skateboard. Oh là, oh Sonic 2, Sonic Adventure 2, voilà, le jeu avant Sonic 2.
avait déjà compris le délire. Ça se trouve, c'est inspiré de ce jeu, hein. Sonic n'a rien inventé, mesdames et messieurs. On va passer par en dessous. Oh, on peut pas passer en dessous, en fait. Oh, je me suis viandé comme une merde. Allez, c'est reparti. Et le checkpoint était un peu loin. On va essayer de passer à avoir. Je vais essayer de sauter quand même. Voilà. Oh, on peut vraiment sauter haut. Alors, je pense pas que je puisse sauter par-dessus ça, mais bon. On passe par l'intérieur. Alors moi, je trouve le jeu plutôt excellent. Hein. Enfin, c'est très très simple dans le concept, mais franchement, c'est plutôt drôle. Ok, donc là, je pouvais pas l'éviter. Oh, il me balance des trucs! Oh, j'ai intérêt à me grouiller, là. On va déjà être time out, quoi. Ouh, ça s'est joué à la seconde près! Alors, ça s'est joué vraiment à une seconde, hein, même pas, une demi-seconde. Donc évidemment on a un nouveau record parce que c'est la première fois qu'on joue. Mais bon, c'est vraiment pas passé, de peu là. Ah. Oh merde. Oh mon sang, on se fait poursuivre par une bouteille de Pepsi, mais qu'est-ce qui nous arrive? Oh là là, pour éviter tout ça, ça va être pas facile. Alors là, on est un petit peu en mode Crash Bandicoot maintenant. Ah, j'ai pris un vélo, je vais me faire écraser, Attention, je pense que la troisième fois, c'est mort. Et voilà, on s'est fait écraser comme une des chaussettes. Alors, on a un nombre de vies en bas, voilà, on a 6 vies. Ah. Je pense qu'on va essayer de sauter. Ah, je peux faire que ça en fait, sauter ou sauter, puisque X fait la même, même fonction que carré maintenant. Ah, pourtant j'étais bien là. Oh là, il y a beaucoup de parties partout. En plus, on a même pas passé de checkpoint, donc il va falloir tout recommencer. Ouais, je vais faire que sauter, hein, pas plus que ça. Ah non, j'aurais dû sauter. Ah, c'est pareil, j'ai fait n'importe quoi. Eh voilà, on s'est un peu écrasé. Alors je crois que vous allez l'avoir dans la tronche pendant 2 heures cette chanson. Ah. Alors je vais essayer de rester tout droit, voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de... Ah, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a plus d'objets au milieu. Oh, ça va être compliqué. Non, ça fait crever. Ah, là, il reste plus que 4 vies. Ce jeu est complètement débile. Oh, puis j'ai sauté avant encore. Voilà, on va recommencer parce que là j'ai fait vraiment n'importe quoi. Ce bruit dégueulasse, je pense que je vais craquer même avant vous. Hein. On s'est planté une fois de moins que tout à l'heure. Vraiment, vraiment, vraiment faire être rapide. Ah, 2 fois. Ah, c'est pas encore passé. Et oui, on a une barre de progression, j'ai pas fait gaffe en bas. En haut à droite, pardon. Et là, bah, on était quasiment à la fin. Hein. Ah, à chaque fois je me loupe au mauvais endroit. On sent cette musique. Au secours, quoi.
Deuxième fois. Allez, on faut qu'on passe. C'était la fin, on est arrivé. Regardez le curseur, il était totalement à droite. Allez, je pense que cette fois-ci ça va être bon. Ça donne envie qu'il nous reste. Pas de moins, attention vélo. Là, je pense que cette fois-ci ça devrait passer si je fais pas trop de bêtises. Ah, j'ai touché le bord du vélo. Oh, allez, deux fois, non, c'est toujours le même moment où je me fais avoir. On a réussi. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Alors, scène 1, scène 2, ok. Et get Pepsi 66, ok. Donc je pense qu'on a réussi que le stage 1. On va voir si le second stage, à quoi ça consiste. Je pense que c'est la même chose. You're doing pretty good. Have a Pepsi. Next stage. J'ai jamais vu un jeu aussi sponsorisé de ma vie, quoi. Et je pense qu'il va y avoir Cool Spot à la limite dans le même genre, mais là franchement c'est n'importe quoi. Il y a pas une seconde dans le jeu où il y a pas un rapport à Pepsi. Bon, c'est logique, c'est un jeu Pepsi. There's a building on fire just ahead. We need to get there immediately, but look what's happened. According to reports I have heard, they got the fire under control, but there are some people that couldn't escape fast enough and are trapped on the roof. They are extremely exhausted, and it doesn't seem likely that we can get first aid to them in time. Can't you give them something to help revive them, Pepsi Man? Alors, il y a un bâtiment qui est en feu, il va falloir les aider, et je n'ai pas trop vu ce qu'il fallait faire derrière. Je pense qu'on va le deviner assez vite. De toute façon, pour le moment, il a juste fallu sauter ou se baisser. Ok. Oh, game over! Oh, je suis dégoûté. On a à peine pu voir les 3 premières secondes du jeu, quoi. Alors, enfin, continue. J'espère qu'on va pouvoir directement commencer au stage 2. Histoire d'aller un peu plus vite. Ouais, parfait, nickel. Alors, c'est n'importe quoi, les flics. Je sais pas ce qu'ils font. En fait, tout le monde veut notre mort, en fait, c'est... On a un checkpoint. Et là, on est sur un... on est sur un baril. Ah oui, d'accord, il faut vraiment que je fasse gaffe à l'angle du baril. Ah, c'est pas grave, on aurait pour le faire. Tapote, mais en fait faut vraiment y aller comme un taré. Ah, c'est bon, c'est passé. Ah. Bon, ça va, il nous fait recommencer par là. Et les chansons, il était comment ça? Ok, donc il faut que je passe par en dessous. Ok, là c'est pareil. Oh là là, c'est difficile à éviter ça. Ok, je recommence ça. Alors je me demande si en prenant certaines. Alors là, je me suis complètement roulé dessus. Je me demande si en prenant plus de 500. Pardon, je peux y arriver. Si en prenant. 100. Oh, mais c'est inévitable ce truc. Je veux bien qu'il fait sauter, mais quand même. Je peux les éviter normalement, voilà. Hop, hop, hop. Alors qu'il faut
vraiment appuyer deux fois rapidement. On a des trous, faut sauter par-dessus. Et pourquoi je tombe là? Pourquoi je tombe? Je vais enfin pouvoir dire ma phrase. Je sais pas si au bout de 99 km en fait on gagne pas une vie. Voilà, c'est tout. Alors, tentez quand même, hein. Ce serait bien de pouvoir voir encore un petit niveau. Cette vidéo va être assez courte, hein, je pense, parce que connaissant mon niveau de jeu, on est loin de réussir quelque chose d'extraordinaire. Ok, je me suis fait mais fister, quoi. Ah, mais comment vous évitez ça, quoi? Il me reste déjà plus qu'une vie, non, ça va. Allez, le coup du baril, on commence. Je crois que j'ai même pas pris le checkpoint. Ouais, c'est bon, là, cette fois-ci c'est passé. Bon, on va éviter certainement quelques... Ouais, là par exemple, je sais pas comment faire pour me baisser plus longtemps. Soit il faut que je saute avant. Peut-être la solution. Alors, je vais même pas tenter à sauter et prendre toutes les canettes. Ah, j'avais sauté là, enfin j'avais sauté, j'avais appuyé sur le bouton. Ouais, c'est un peu un jeu de rythme en fait, hein, c'est surtout ça. Le jeu est pas mauvais en soi. Après, oh là 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 là, quel dommage. Attendez, est-ce que je vais pouvoir sauter? Bah, mais il est bien gentil, mais là il me met devant un précipice, quoi. En plus, regardez où il faut que je recommence. Là. Alors, toi, c'est que maintenant je sais comment prendre cette partie-là. Du coup, c'est un peu plus facile. Ah, mais là, c'est pareil. Oh, c'est bon, c'est passé. Faut vraiment avoir beaucoup de vitesse. Non, mais les niveaux sont corrects, les graphismes aussi. Bon, la musique est très chiante par contre. Alors ça par contre, la musique elle est ultra... ultra relou. Mais le reste, franchement, ça va, hein, pour un jeu ultra commercial. J'ai vu des jeux ultra commerciaux qui se voulaient un peu moins commerciaux, bien plus dégueulasses que ça. Alors pourquoi je teste ce genre de jeu? Bah tout simplement parce que ça ressemble un peu à un truc de course en fait, hein, si vous regardez bien. On est sur un circuit, il faut... Ah, mais là c'est pas vrai. La musique, vous allez l'avoir dans la tronche, mais pour l'éternité. Hein. Faut pas tomber. Oh là là là, c'est pire en pire. Mais là c'est pareil, j'avais appuyé bien avant. Et là ça a pas sauté. Du coup on va se taper un game over. Allez, on retente une dernière fois. Et si on n'y arrive pas, bah tant pis. Hein. Ça sera pas non plus une perte énorme, hein, vous l'aurez compris. Allez. Bon, évidemment, c'est du die and retry, hein, c'est-à-dire qu'en gros, plus on connaît le niveau par cœur, moins on fera de bêtises. La voiture qui va tourner. Voilà. On attaque ces barils là, hein. Puis on tire en feu là, et puis on prend des checkpoints. Voilà. Allez, c'est parti à nouveau pour le. Ouais, ça c'est un sans faute dans ce début de niveau.
Il est bien sur ses appuis, il est en train de tourner, tout se passe bien. Il prend tous les panneaux de Pepsi où il semblerait qu'il soit sponsorisé. Ok, on n'est pas mort une seule fois. Du coup, on a 3 tentatives complètes pour y arriver. Voilà. On en loupe quelques-unes, mais c'est pas grave. Ok. Ouais, des fois j'ai assez de réactivité, et des fois non, j'ai l'impression que je saute bien avant la poutre, mais en fait pas du tout. Pas fait avoir. Oh, dommage. Elle est là, qu'est-ce qui va sûrement se passer? Et ouais, mais ça par contre, c'est un truc qui devrait pas être possible, quoi. Ouais, après je recommence tout. En gros, vous loupez une fois, vous pouvez pas revenir en arrière. Donc, comme on revient pas en arrière, on a plus d'élan, et du coup, je suis obligé de tomber. Ça par contre, c'est un gros défaut. Il en fallait bien, quand même, dans ce jeu. Ah, là, ouais, c'est pareil. Ouais, ça va le faire, on va y arriver. Voilà, c'est pareil, j'ai glissé trop tôt. Non, mais là je fais n'importe quoi, franchement c'est... Ouais, c'est pas grave. Un peu plus de réactivité, bon sang. On a loupé plein de trucs, mais c'est pas grave. Et on a réussi! On va pouvoir découvrir un autre niveau, ça c'est cool. On était pas mal, hein, 84 sur 100 en plus. Record gate 84. Bon, ok, bon, de toute façon, c'est juste si on veut le battre. Alors ça, c'est que le premier niveau du stage 2. Donc si je veux avoir un continu, j'imagine qu'il faut que je réussisse les deux niveaux du stage 2. Allez, vas-y, cours. De toute façon, on sait faire que ça. Et donc là, un niveau... dans les égouts, comme... je pense qu'il y aura certains youtubeurs qui auraient pété un câble, hein. Ah oui, d'accord, j'aurais dû me jeter en fait. Alors le jeu tourne un petit... Le personnage tourne un petit peu automatiquement avec, hein. Je suis pas obligé de réajuster le... Comment dire... Je suis pas obligé de tourner à gauche là par exemple, ça le fait un petit peu automatiquement. Voilà, ça accélère. On gagne de la vitesse. Bon, au moins on en a plus. Oui, bien sûr. Et bien entendu, dans ces conditions, on aime prendre les voies de train. Je pensais, elle est où là? Ok. Ah, mais là, comment veux-tu que je l'esquive? À quel moment je suis censé esquiver cette merde, quoi? Ah, quoi que j'ai peut-être ma petite idée. Voilà, on a gagné de la vitesse, on a gagné de la vitesse. Mais comment... comment je fais pour passer ça, quoi? Parce que là, bon, on va être bien urbain, mais quand même. Alors j'ai essayé de passer par en dessous, ça passe pas. Voilà, faut que je passe à droite.
Je suis même pas sûr qu'on puisse passer à droite. Le jeu nous, automatiquement nous envoie vers la... vers la gauche. Mais là je vois pas là, hein. Je veux bien mais je vois pas du tout comment faire. Hein. Voilà, ça doit pas trop de temps. Mais c'est pas possible! Comment on est censé réussir ce niveau? Alors, faut que j'aille plus vite peut-être avec le slide. Non mais je peux pas. Je sais pas, il faut que je conchais. En plus c'est game over. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. Je ne sais pas absolument pas comment passer cette zone. On passe par en dessous, ça marche pas. On passe par dessus, ça marche pas. J'ai oublié d'aller à droite, puisqu'à gauche, apparemment, bah, y a le train. Donc, je ne sais pas du tout où il faut aller. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, donc c'était le jeu Pepsi Man sur PlayStation. Espérons que cette courte vidéo vous aura plu. Ma foi, pour un jeu qui se veut ultra publicitaire, bon, le jeu est plutôt marrant. Franchement, on va pas lui enlever ça. Après, est-ce qu'il a un grand intérêt à part du Die and Retry? Non, pas vraiment. Hein. Mais bon, pour une fois, un jeu qui est commercial, qui est pas trop mauvais, on va pas faire la mauvaise langue. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Pepsi Man.